Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle astuce pour le soin du visage. Nous allons réaliser un masque aujourd'hui à base du blanc d'œuf. Vous savez que le blanc d'œuf, l'œuf même en général, on l'utilise beaucoup plus sur les soins des cheveux, les soins du visage. Alors, parce qu'il a des vertus antibactériennes. Il a des vertus hydratantes, alors il est très bon en cosmétique. Nous allons réaliser le masque aujourd'hui à base du blanc d'œuf, de la farine de maïs, qui va venir agir ici en réduisant également les sébums comme le blanc d'œuf qui va cicatriser parce que la farine va venir cicatriser si on a des petites blessures qu'on a grattées, des boutons qu'on a grattés, il va venir cicatriser, il va également lutter contre le vieillissement. Donc en gros, il va venir rajeunir notre peau et avoir l'effet régénératrice sur notre peau. Et nous allons également utiliser l'eau de rose. L'eau de rose, on l'utilise en fait pour des lotions de tous les jours qu'on applique sur notre visage le matin parce qu'il nettoie en profondeur, il nettoie, il élimine également les points noirs et l'excès de sébum. Et sans plus attendre, nous allons réaliser donc ce masque, la préparation. D'abord, vous aurez besoin d'un blanc d'œuf que vous allez mettre dans un pot comme ça et que vous allez bien battre. Vous allez battre votre blanc d'œuf. Voilà, vous avez votre blanc d'œuf, un œuf. Vous allez ajouter une cuillère à café de farine de maïs. Il faudrait vraiment que cette farine de maïs soit bonne, qu'on ait écrasé le maïs avec tous ces enveloppes que vous allez mélanger. Ensuite, vous allez prendre une cuillère à café également d'eau de rose que vous allez aussi ajouter comme ça. Et ensuite, vous allez bien mélanger le tout. Vous allez vraiment bien mélanger. Vous voyez, c'est bien mélangé. Ensuite, vous allez prendre votre pinceau ou un coton pour appliquer sur votre visage. Vous appliquez tout doucement sur tout le visage comme ça. Vous appliquez en douceur. C'est humide, ça fait du bien. En plus, il fait très chaud. Vous allez appliquer sur tout le visage. Évitez le contour des yeux. Et laisser agir pendant 20 minutes et ensuite vous allez rincer votre visage et l'hydrater. Et voilà, votre masque est fait. J'espère que vous allez vraiment l'appliquer. Et n'oubliez pas, comme on dit au départ, ça va devenir une récitation. Si vous êtes nouveau à regarder mes vidéos, abonnez-vous et likez mes vidéos. Vous pouvez également mettre des commentaires parce que moi je suis ouverte aux propositions, quoi. Donc, passez une excellente journée.